Bon, là on est sur notre toit, vous avez le plan à linge ici, c'est là qu'ils font. Tu peux filmer les plans à linge. C'est là qu'ils font filmer, qu'ils font sécher le linge. Puis aussi, c'est l'endroit où caca déchet. Tu peux zoomer. C'est toujours très plaisant, surtout quand tu veux venir chercher ta serviette la nuit. Puis en fait, tu piles dans la marde de chien, ça m'est arrivé une fois. C'est très très plaisant. Ouais. Cette marde est fraîche. Tu as vu ça? C'est un caca parfait. Derrière, on a ben, ce qui reste du volcan à cause des nuages, parce que il y a des nuages. Donc, mon expérience au Guatemala. Bon, je vais parler de la famille. Hein. De la famille. On a 1, 2, 3. On a 3 personnes de base toujours avec nous, soit la mère, Oscar, le petit frère, et Danny, le grand frère. Après ça, il y a Léo et sa femme, qui vivent à côté, mais qui sont là une fois sur deux. Puis il y a le bébé. Mais le bébé, je le compte pas comme une personne, il fait juste du bruit. Puis, ah oui, il y a la femme de Milan aussi, qu'on peut voir derrière, qui commence à travailler. Ce que j'ai appris au Guatemala, je sais pas trop. Merci de poser la question, Lucas. Qu'est-ce que t'as appris au Guatemala? Je sais pas, parce que ben, je me suis adapté assez rapidement. Je veux dire, j'ai été en Inde un mois. Vivre dans des familles d'accueil, c'était normal pour moi. Là, par exemple, ma famille commence à me manquer, ma famille de Montréal, Maso Menos, mais correct quand même. Parce que, bon, ça fait un mois, puis je commence à être tanné, puis on prend l'avion dans une heure. Alors, pour le podcast, oui, on est le matin du vol. Oui, toujours à l'avance. Sinon, j'ai appris à aimer les friolesses, comme Lucas aussi d'ailleurs. Il va sûrement vous en parler. j'ai appris à vivre simplement dans les 2 mois. Tu sais, c'est le traditional défi monde talk, là, mais tu sais, vivre comme la douche, c'est vraiment chiant d'arrêter sa douche quand t'as froid le matin, puis arrêter pour se laver. C'est chiant, tabarnak. Oh mon dieu, bien fini! Y'a un chien! Là, pour vous donner une idée, on est au 2e étage, hein. Alors, ce chien est presque au 2,5. Failli mourir. Sinon, c'est ça. Pour ce qui est de l'activité, la comptine du petit bébé, très amusant, très simple. Mais ça fait la job. Je suis sûr qu'il a apprécié. Les comptines. Je suis sûr que... Oui, les comptines, évidemment. Mais je suis sûr qu'il a apprécié. Je suis sûr qu'il va s'en rappeler toute sa vie. Ça va être un souvenir. Il va se réveiller à 10 ans. Il va faire, oh mon dieu, j'ai été bercé par les Canadiens. En tout cas. La lechusa, la lechusa. Dice, chut. Hagan por favor, silencio. Sinon, il y a la moto aussi. Très amusant la moto, sauf comme les essais. On va skipper cette partie-là. La moto, on a appris à faire de la moto parce qu'on savait pas trop comment pas faire. Très amusant, tu sais, on en a fait Danny, il est un peu plus fou, un peu plus aventureux que nous. Sur ce, bonne fin de journée et bon vol. Until I need new shoes. Yeah, I said,